plusieurs scientifiques soulignent le fait que les conséquences psychologiques dues à la pandémie de Covid-19 seront beaucoup plus durables et toucheront beaucoup plus de personnes que l'infection par le virus lui-même. Tout l'enjeu est donc de comprendre et d'analyser quels sont les facteurs qui vont influencer notre état psychologique afin de mieux les connaître et de les prévenir par la suite. Actuellement, on sait que, par exemple, l'âge, le genre ou le statut socio-économique influencent le fait que notre santé mentale se dégrade ou non. Mais parmi tous ces facteurs, il y en a un qui n'est pas encore étudié, c'est l'incertitude. Pourtant, l'incertitude, elle est omniprésente autour de nous dans cette situation. On est incertain de savoir si l'on va contracter le virus ou si nos proches vont le contracter, ou tout simplement incertain sur ce qu'il va se passer dans les mois, les semaines à venir. Je suis Mélodie Mallier, je travaille en tant que maître de conférence en psychologie sociale expérimentale et je m'intéresse au rôle de l'incertitude dans la dégradation de la santé mentale lors de la pandémie de Covid-19. Pour répondre à cette question, nous avons collecté les données de 196 participants, personnes, pour lesquelles nous avons demandé leur degré d'incertitude, puis leur stratégie de régulation de cette incertitude, et enfin leur état mental. Nous sommes actuellement en train de collecter les données et nous ambitionnons de répondre à la question de savoir si l'incertitude et les stratégies de régulation de celle-ci nous permettraient de prévenir la dégradation de la santé mentale.